This is not Versailles. Plus qu'un outil, la lumière est un principe du courant artistique de l'art nouveau. Elle est aux prémices de la création, dès l'élaboration des plans, elle fait partie des fondations. Toutefois, aujourd'hui, il est impossible de faire surplomber son esthétisme en ignorant son second versant. Car oui, la lumière est avant tout une source d'énergie. Énergie qu'il convient donc d'économiser à l'aune des crises que traverse la société. Benjamin Surstrassen, conservateur du musée Horta, dépelotonne le sujet pour défendre les prérogatives muséales. Victor Horta avait, comme on le sait, une attention toute particulière à la lumière, une lumière qui était invitée dans les intérieurs grâce à l'éclairage zénithal et une lumière également filtrée par des vitraux en verre américain représentant des motifs inspirés du monde organique. De telle sorte que les intérieurs de Horta, et particulièrement ici le musée Horta, étaient des intérieurs colorés, à la lumière tamisée, dans des couleurs légèrement glauques, comme on disait à l'époque, hein, glauques n'ayant pas la signification ou la symbolique que cela a aujourd'hui. D'autre part, enfin, la maison Horta avait été, dès l'origine, munie des éléments techniques nécessaires à un éclairage, soit au gaz, soit à l'électricité. Mais très rapidement, Horta passera justement à la lumière électrique. Choisir, c'est renoncer. Le corollaire est encore plus vrai quand, pour restituer fidèlement, on renonce à utiliser certains équipements, quitte même à aller à contre-courant des avancées techniques. Le musée Horta a fait des choix qui, loin d'être définitifs et absolus, mettent en évidence les tiraillements permanents des professionnels. Aujourd'hui, nous avons la chance tout de même de pouvoir encore compter sur des stocks très très importants d'ampoules à filaments, ces fameuses ampoules qui ont été il y a quelques années entre guillemets interdites en Europe afin de remplacer tous les éclairages par du LED. Le problème est que la tessiture, la couleur, l'intensité, les particularités lumineuses des ampoules LED ne rejoignent pas, sont encore, en tout cas aujourd'hui, trop éloignés des ampoules à filaments. Et donc, en dépit, évidemment, ça pose une question d'ordre écologique, question courante dans le cadre de la gestion d'un musée classé, où on doit avoir de simples châssis, et souvent les contraintes patrimoniales et de conservation vont à l'encontre des contraintes écologiques, et donc on doit sans cesse, en quelque sorte, un petit peu jouer et s'adapter relativement à cette concurrence, en quelque sorte, entre ces deux impératifs. Il n'empêche cependant que nous continuons à utiliser de telles ampoules parce que, tant en termes de visibilité, que de couleur, que de chaleur, que d'intensité de lumière, c'est véritablement celle qui se rapproche le plus de la lumière existante du vivant d'Horta dans cette maison et qui permet donc de retrouver l'atmosphère idoine, l'atmosphère de l'époque, ce qui est bel et bien malgré tout l'un des objectifs les plus importants du musée.